Je me présente, Geneviève Bastien. Je suis associée de recherche au laboratoire dorsal de l'École polytechnique de Montréal. Au laboratoire, on fait de la recherche sur des techniques d'analyse de performance sur pour des systèmes hautement parallèles, distribués, etc. Et le traçage, c'est une des techniques qu'on utilise le plus pour se faire. Donc, je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est le traçage, comment ça fonctionne, comment ça se compare avec d'autres techniques d'analyse de performance et faire en sorte que peut-être le jour où vous allez avoir besoin d'utiliser le traçage, bien, vous sachiez que ça existe, puis vous allez avoir une liste d'outils. Puis après ça, je vais aller un petit peu plus dans le détail. Là. Ça va être peut-être un petit peu technique là, pour les différents niveaux de traçage, donc traçage de système d'exploitation, d'application ou traçage distribué en info nuagique. Donc d'abord, qu'est-ce que le traçage? Bien, c'est une technique pour comprendre et surtout observer ce qui se passe à l'intérieur d'une application ou d'un système d'exploitation. Donc ça consiste à enregistrer de l'information très spécifique qui se passe, puis c'est vraiment, vraiment beaucoup de données qui peut être enregistrées. Mais probablement que tout le monde ici qui a fait, ne serait-ce qu'un Hello World, a fait le traçage 101, qui consiste à de simples printf. Hein? On a tous fait ça, une application, une petite fonction, un printf entre chaque fonction pour savoir où on est rendu dans l'application. Bien, c'est une certaine forme de traçage. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Je ne viens pas vous apprendre printf, mais plus du traçage très, très haut débit et très précis. Donc, le traçage, comment ça fonctionne? Ça utilise ce qu'on appelle de l'instrumentation dans le code. L'instrumentation peut être soit statique, ça veut dire qu'elle est déjà présente dans le code source qu'on roule sur l'ordinateur, ou ça peut être dynamique, ça veut dire qu'on l'ajoute, on sait exactement où on veut rajouter notre point de trace dans l'application et on le fait pendant l'exécution de l'application. Donc, par exemple, ici, j'ai une bicyclette que j'ai instrumentée. Donc, j'ai mis des petits points de trace sur les roues. Et quand la bicyclette roule, elle laisse, les points de trace vont laisser des petits événements sur la route. Et ces événements-là, c'est ça qu'on va appeler une trace. Maintenant, à quoi ça sert et comment on peut le comparer? On va utiliser une petite application fictive qu'on va développer aujourd'hui, donc qu'on appelle Jill 2.0.19. Il y a une fonction dans Jill, la fonction du participant. Donc, il y a l'arrivée du participant, disons, puis le temps que le participant est présent, si entre 13h et 17h, on écoute les présentations, et sinon, on fait du social. Puis dans le social, tant que ça nous tente, on a le choix entre manger, boire de la bière facile ou juste jaser avec les gens. Donc, disons, c'est une application qu'on développe. Et maintenant, comme nous, en tant que développeurs, comment on peut analyser cette application-là? Parce qu'il y a plusieurs participants en parallèle qui vont s'exécuter. Il y a probablement plein d'éléments externes aussi à considérer. Il n'y a pas que les participants de Jill.2.0.19. Donc, on va voir tous les outils disponibles pour analyser une application comme ça. D'abord, le profilage. Qui connaît le profilage? Oui, le profilage, ça consiste à des moments donnés, on regarde où est rendue notre application. Donc, par exemple, à chaque 30 minutes, on va regarder l'état des participants. Donc, à 13 heures, on a 21 participants qui écoutent, 5 participants qui socialisent. À 13h30, 28 participants écoutent, 3 socialisent. Par contre, le profilage va nous permettre d'avoir à la fin des statistiques sur qu'est-ce qui s'est passé dans notre système où les participants ont passé le plus de temps. Par contre, ça ne nous montre pas les détails de ce qui s'est passé. Comme par exemple, s'il y a eu une petite alarme de feu qui a sonné entre 13h20 et 13h25, tout le monde est sorti, il y a un petit peu de commotion dans la salle, on ne le verrait pas dans le système. Quand 13h et 13h30, finalement, il y a 2 personnes qui sont parties puis il y en a 7 qui sont arrivées, bien ça, c'est le genre de détails qu'on ne verra pas si on fait juste du profilage. Déverminage, débogage en anglais. Donc, là, on sait qu'en quelque part dans notre application, il y a un problème, on met un point d'arrêt. Donc, disons, autour de la pause, on arrête tous les participants, statue tout le monde, et on les observe un à la fois, on regarde où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils font, OK, ils font un pas dans cette direction-là. À un moment donné, on les laisse partir. Mais ça, à ce moment, ben, le débogage, on le fait tous en développant des applications, c'est très, très, très utile, bien sûr. Mais quand on regarde l'interaction entre les différents participants, bien, le débogage va souvent nous faire rater des choses qui se passent, qui se produisent.
Donc, c'est une technique très utile, mais qui ne voit pas tout non plus. La journalisation, ou le logging, on note les événements d'intérêt. Donc, par exemple, on va noter l'arrivée d'un participant, le début et la fin des présentations, les achats des bières, les remplissages des plats de nourriture. Mais là, quand on fait de la journalisation, il faut qu'on pense d'avance à ce qu'on va journaliser. Souvent, ça va être des événements surtout de haut niveau. Donc, parce que sinon, il y a un surcoût assez important à la journalisation, parce que c'est souvent des énoncés de texte que quelqu'un qui analyse l'application va être capable de lire. Donc, on va enregistrer dans un fichier texte, ça a un certain surcoût. Donc, on va se contenter d'enregistrer des événements à plus haut niveau. Et la surveillance ou monitoring, à chaque instant, on connaît l'état de certaines métriques de notre GIL 2.0.19. Donc, à tout moment, on va savoir le nombre de participants, la quantité de bières restantes, la quantité de nourriture. On peut aussi comparer avec la température de la pièce, essayer de voir si ça a un impact sur la consommation de la bière. Mais c'est bien beau, les métriques, mais les métriques ne vont pas expliquer quand il y a un changement soudain. Par exemple, quelqu'un échappe une caisse de bière, il y en a 12 qui viennent de disparaître, on a 12 bières en moins. Donc, la métrique va nous dire, « Oups, une chute de 12 bières, mais pourquoi? » On ne sait pas que quelqu'un a échappé une caisse. Donc, arrive maintenant le traçage. Le traçage, c'est une technique qu'on va utiliser vraiment quand on est allé chercher toute l'information qu'on pouvait aller chercher des autres techniques. Donc, je les mets toutes les techniques, là, les petits ronds se chevauchent toutes parce qu'il y a quand même un lien entre ces différentes techniques-là. C'est pas mutuellement exclusif parce qu'une journalisation de haut niveau, ça ressemble beaucoup à une trace. Le monitoring va souvent aussi utiliser des points de trace pour calculer certaines statistiques. Donc, le traçage, on va enregistrer des événements, vraiment beaucoup d'événements précis à la nanoseconde. Et là, on va regarder plusieurs niveaux. On va regarder le système. Par exemple, ici, on va regarder l'ETS. On va regarder la salle, on va regarder le lieu, on va regarder la nourriture. On va même regarder Montréal, les élections fédérales, parce que ça peut avoir un impact sur la participation, sur les participants de la GIL. Donc, on regarde tout ça au niveau du système. Au niveau applicatif, bien là, on regarde les participants à l'application. Et au niveau distribué, ça va être plutôt l'interaction entre les participants. Puis, selon le traceur qu'on va utiliser ou la situation, on peut soit sauvegarder les événements de la trace, comme tantôt, là, la petite bicyclette qui laissait des événements. On peut soit les sauvegarder, les mettre de côté pour les analyser plus tard, ou il y a d'autres traceurs qui vont les agréger, travailler directement sur les événements, puis sortir des statistiques immédiatement pour une analyse sur place. Le traçage, il y a un très faible surcoût, étant donné la quantité d'événements qu'on peut tracer. Il faut que le surcoût soit très faible, sinon ça aurait vraiment un impact sur l'application, mais ça donne vraiment beaucoup de détails. Par exemple, pour quelques secondes de trace, on peut avoir des megs de données. Donc, c'est peut-être un peu plus complexe à mettre en place, mais pas tant. Une fois que c'est en place, ça devient une technique plutôt facile à utiliser. Ça devient de plus en plus simple, en fait. Maintenant, je vais aller un petit peu plus technique, expliquer les différents niveaux de traçage, puis qu'est-ce qu'on peut voir avec ça. Donc, traçage noyau ou système d'exploitation. Dans le code source de Linux, il y a beaucoup, beaucoup de points de trace, de points d'instrumentation auxquels on peut se brancher. Par exemple, à chaque fois qu'un processus sur le processeur change, il va y avoir un événement. À chaque fois qu'il y a une allocation de mémoire dans le système, ça, il y en a vraiment beaucoup là, quand on roule un ordinateur, il y a un point de trace qui est déclenché quand c'est désalloué aussi. Donc, ça nous permet... Le traçage noyau, on n'a pas besoin d'instrumenter l'application du tout. C'est juste les points de trace, c'est juste le système d'exploitation. Donc, notre application, c'est comme on l'a compilé ou qu'on l'a installé. On fait juste activer le traçage noyau et on obtient beaucoup d'informations sur le système dans son ensemble. Comme ce qu'on voit ici à l'écran, c'est on a tracé la commande wget qui fait une requête sur un serveur. On a aussi tracé le serveur. Donc, ce qu'on voit sur wget, c'est la ligne ici, là. Wget, on voit en vert, c'est quand il roule le code utilisateur, donc le code de wget comme tel. En bleu, c'est les appels système.
Donc, par exemple, des lectures de fichiers, des opérations réseau, c'est le système d'exploitation qui roule à ce moment-là. Et le petit jaune moutarde plus bas, c'est des blocages. Ça veut dire le WGET il est en train d'attendre quelque chose. Il ne peut pas rouler pendant ce temps-là. Et parmi les points de trace du réseau, on a aussi les points de trace qui réveillent d'un blocage. Donc, en voyant ici, quand il s'est réveillé, pourquoi il s'est réveillé, qu'est-ce qui l'a réveillé, on peut suivre l'information pour obtenir le chemin critique de WGET. Comme par exemple, ici, on voit que WGET, bien, il a communiqué au serveur. Puis, comme on a tracé le serveur, on voit qu'il y a un processus Apache sur le serveur qui a roulé, qui a fait quelques requêtes en MySQL. Et c'est ça. Donc, ça fournit beaucoup d'informations. Des fois, là, juste tracer notre application comme ça, juste tracer le système d'exploitation nous donne beaucoup d'informations. Donc, traçage noyau, je vais parler des nouveautés des dernières années, des 4-5 dernières années. Pour ceux qui connaissaient déjà le traçage avant, il y a quelques nouveautés. Par exemple, il y a eBPF. Il y a des gens qui ont entendu parler? C'est une extension au Berkeley Packet Filter, qui est un langage de filtre qui date il y a très, très longtemps pour filtrer les paquets réseau. Depuis Linux 3.18, ça a été rajouté au code de Linux. Et là, c'est plus juste pour les paquets réseau. C'est à peu près pour n'importe quel point de trace système ou même dans une application, ça peut se brancher à n'importe quel point de trace. Puis ça permet d'exécuter des petits scripts à chaque événement sur ce point de trace-là. Ça roule dans une petite machine virtuelle, de sorte qu'il n'y a aucune chance que ça fasse planter le système. Donc, c'est très sécuritaire à rouler en production. Ça ne permet pas, par contre, de sauvegarder les événements pour les étudier plus tard. Ça permet juste de faire des statistiques, l'agrégation. Donc, c'est beaucoup utilisé en monitoring. Il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de eBPF. Toutes sortes de scripts pour des problèmes communs qu'on peut rouler. Donc, dans le milieu des administrateurs système, c'est assez connu. Puis, ça permet de détecter beaucoup de problèmes de performance en production. LTTNG, qui est le traceur principal qu'on utilise au laboratoire, c'est un traceur à la fois traceur noyau et traçage applicatif, que je vais expliquer plus tard. La nouveauté des dernières années, ce serait le mode cliché. Ça veut dire, comme je disais tantôt, le traçage, on enregistre des très grandes quantités de données. Par exemple, on sait que notre système, là, il va planter à un moment donné, il plante tout le temps. À chaque jour, il y a une erreur qui se produit. Mais si on se met à tout tracer, ça sauve des quantités énormes de données. Ça a quand même un surcoût un petit peu plus important. Donc, on peut le mettre en mode snapshot. Ça veut dire que ça va garder l'information sur les événements dans un tampon en mémoire. Donc, ça écrit pas, ça écrit pas sur le disque. Et c'est ça. Puis quand le problème arrive, pouf, on prend un snapshot, on sauvegarde, puis après ça, on peut analyser les problèmes. Donc, ça prend... ça garde à peu près quelques secondes à quelques minutes de traces à peu près. Je vais laisser faire les exemples de traceurs et d'analyse de traces. Il ne me reste plus grand temps. Traçage applicatif, on peut tracer les fonctions, les entrées et sorties de fonctions qui nous permettent d'avoir des graphes en flamme, soit dans le temps où on voit toujours où est rendue notre application à différents moments, et des flame graphs qui lui permet qui agrège tout ça. Donc, on voit où notre application a passé le plus de temps. Ou sinon, l'instrumentation spécifique avec laquelle on peut faire toutes sortes de graphiques. Par exemple, ici en haut, on voit le passage de messages entre différents processus. On voit des comptes, on voit des analyses de latence où on peut faire des statistiques. Mettons qu'on a le début, la fin d'une tâche. On voit combien de tâches ont pris combien de temps à peu près. Donc, ça nous permet de voir où il y a pu avoir des problèmes. Donc, les nouveautés, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications qui sont pré-instrumentées. Il y a beaucoup de langages de haut niveau, comme Java et Python, qu'on peut brancher leur système de logging à du traçage qui permettent d'avoir de la précision à la nanoseconde, contrairement à Java où la précision est à la milliseconde, qui nous permettent de mettre ça avec une trace noyau et d'avoir vraiment beaucoup d'informations. On peut aussi scripter nos propres analyses dans Trace Compass à partir des points de trace qu'on aurait rajoutés dans notre application. Traçage distribué maintenant, de plus en plus, il y a des architectures en microservices
où les microservices sont sur plusieurs machines, se communiquent entre eux. Donc, il y a un API qui a été développé qui s'appelle Open Tracing API, qui permet d'instrumenter la jonction entre tous ces microservices-là, qui permet donc de suivre comme notre requête à travers tous les microservices. Donc, chaque requête est envoyée un peu partout. On peut voir, comme ici, on voit dans cet exemple-là, clairement, il y a une requête en haut qui a été exécutée, qui a fait plusieurs sous-requêtes. Elles sont toutes bien séquentielles. Donc, on peut se dire, peut-être, c'est possible de paralléliser le tout. Donc, ça pourrait être une option. C'est ça, Open Tracing, ça existe. Il y a des implémentations pour plusieurs langages. Il y a beaucoup de librairies qui sont pré-instrumentées, comme Node.js, gRPC. Donc, si on les utilise, on profite déjà de toute l'instrumentation qui est déjà là. Et nous, au Dorsal, on travaille à combiner du traçage distribué avec le traçage intra-applicatif et avec le traçage noyau pour essayer de trouver le chemin critique des requêtes à travers tous les éléments d'un système. Pour finir, quelques références ici qui peuvent être des lectures intéressantes, un tutoriel, quelques petits zines qui essayent de vulgariser un peu certaines notions du traçage. Les outils qu'on utilise au laboratoire Dorsal, parmi les traceurs que j'ai mentionnés en haut, il y a le TTNG pour le traçage et Trace Compass pour la visualisation. Et si vous voulez un peu de support humain, à Montréal, il y a beaucoup de monde qui travaille sur le traçage au laboratoire Dorsal, qui est dirigé par Michel Dagenais. Les étudiants sont toujours à la recherche de cas d'utilisation dans l'industrie où il pourrait y avoir des problèmes, quelque chose, des problèmes que d'autres techniques n'ont pas réussi à montrer, des choses que c'est dur à comprendre, qu'est-ce qui se passe. On est toujours à la recherche de problèmes comme ça. Sinon, il y a Efficios, dont la plupart des gens et le président fondateur sont passés d'une manière ou d'une autre par le laboratoire Dorsal, qui font le support commercial de LTTNG et d'autres outils de traçage. Et tout ce beau monde-là se retrouve sur les canaux IRC de LTTNG et Trace Compass. Donc, si vous avez juste des petites questions, vous voulez jaser de proche, on est là.